se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le journal créatif de la semaine. Voilà, je sais que vous êtes très nombreuses et de plus en plus nombreuses à aimer cette vidéo chaque dimanche. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qui viennent d'arriver sur la chaîne ou qui voient la vidéo comme ça par hasard, c'est un journal créatif, donc je vous montre tout ce que j'ai fait pendant la semaine. Que ce soit en broderie, en tricot, en crochet, il peut y avoir du coloriage, il peut y avoir d'autres choses, pourquoi pas, et du diamond painting. Alors, d'abord, je voulais vous remercier tous, parce que la vidéo de la semaine dernière, vous avez été très nombreux à mettre des commentaires. J'étais super contente, j'espère que ça va continuer comme ça. Donc je vous remercie beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sinon, ben, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine et que ce week-end sera reposant pour vous pour reprendre le boulot lundi pour ceux qui travaillent. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Alors comme d'habitude, je vous dis ce qui était prévu, mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est toujours les mêmes choses qui sont prévues. Mais voilà, donc j'avais prévu en broderie de travailler alors sur mon Bouddha. Ça, donc c'est une broderie de Sabine de la boutique Poussière d'Étoiles. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens, si je parle de certaines chaînes, de personnes. Si je parle de marque, si je parle de boutique, j'essaierai de n'oublier personne et de remettre tout en barre d'infos. Voilà, je vous le mettrai également, le lien des kits s'il y en a, le lien des laines, voilà, dont je parle pendant la vidéo. J'essaye de vous mettre le maximum en barre d'infos. Alors, je disais donc mon Bouddha, mes hérons bleus, donc ça c'est un kit de chez Lanart, ma grenouille, donc ça c'est également une broderie de Sabine de la boutique Poussière d'Étoiles, le sale mystère, donc ça c'est encore Poussière d'Étoiles, je fais beaucoup de broderies Poussière d'Étoiles en ce moment. Ma maison météo, donc ça c'est une de mes créations à moi, c'est une broderie que l'on fait sur un an et demi. On a fait les 6 premiers mois pour faire la structure de la broderie et maintenant l'année qui court, on met en couleur, enfin en brodant bien sûr, les fenêtres de la maison aux températures du jour, voilà. Mais on termine aussi la structure. Hein. Bon, comme moi, il y en a qui sont en retard. Comme on dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Hein. Donc moi, je suis en retard sur ma structure, mais je la fais au fur et à mesure. Donc tout au cours de l'année, elle sera faite. Et normal, si tout va bien, elle devrait terminer à la fin de l'année. Le sal du Nouvel An. Donc ça, c'est un sal que moi, j'organise sur le groupe de broderie, donc c'est un groupe de broderie, tricot, crochet, couture, enfin tout ce qui se rapporte à l'aiguille. Donc c'est un sal qui a commencé le 1er janvier et qui se termine le 31 décembre. Et c'était sur le thème, enfin c'est sur le thème de l'automne ou de l'hiver. On avait le choix, j'avais laissé le choix aux personnes de choisir le thème qu'elles souhaitaient. Le sal All Forest qui est organisé par Julia, le sal Alice au Pays des Merveilles, alors ça c'est un sal que j'organise qui a commencé ce 1er février, c'est un modèle All Forest, c'est un modèle gratuit, il existe donc deux versions, une version en 3 couleurs et une version en multicolore. Moi, vous verrez que j'ai choisi la version 3 couleurs.
Alors, c'est un salle qui est organisé aussi par d'autres groupes, à part du mien, hein, donc. Mais voilà, toutes les broderies peuvent être proposées plusieurs fois par des groupes différents. Moi, il n'y a aucun problème. Ensuite, mon hérisson Love, donc c'est une mini broderie que j'avais eue dans une broderie, une revue anglaise. Et mon dragon. Donc c'est le dragon, c'est une broderie que j'ai eue sur Etsy. Je ne sais plus le nom de la créatrice, je regarderai tout à l'heure. Donc c'est une petite broderie, hein, c'est pas très très grand, mais qui me fait bien souffrir. Je vous expliquerai après. Ensuite, en DP, en diamond painting, bah, mon DP, hein, là vous le voyez déjà derrière moi. J'avais prévu de faire un DIY également en DP. Au crochet, j'avais prévu de faire le lapin ballerine de chez Action. Et en tricot, alors pour l'instant, je suis toujours sur les mêmes pulls, hein, mais comme je vous avais expliqué, j'attends de les terminer tous les trois, ou tout au moins d'en terminer un ou deux pour pouvoir recommencer autre chose peut-être, mais ça, on verra. Donc, il y avait mon pull Filda, le pull débardeur pour Chouchou, mon pull camionneur de Bergère de France, et ensuite en crochet la couverture météo, alors celle de 2023, parce que vous savez que je n'ai pas terminé, et celle de 2024. Voilà le programme des festivités de la semaine. C'était déjà pas mal, je trouve. Alors, on va commencer comme d'habitude. Ah oui, chose importante, vous aurez peut-être remarqué, parce que j'ai pu voir dans les commentaires, enfin, rien de méchant, au contraire, bien au contraire. J'ai pu voir dans les commentaires que certaines personnes me disent, bah, moi je zappe le DP, moi je zappe le tricot, voilà. Donc, pour vous aider à trouver les parties qui vous intéressent, alors je sais pas si je vais y arriver, mais bon, non, j'ai regardé des vidéos tuto, donc j'ai vu que c'était assez simple. Je vais vous mettre des chapitres, voilà. Donc vous allez retrouver, juste en description, la liste des chapitres, donc vous pourrez aller directement sur le chapitre qui vous intéresse. Comme ça, bah, si vous n'aimez pas le DP, bah, vous pourrez passer tout de suite à la broderie. Si vous n'aimez pas le tricot, par exemple, bah, vous pourrez Je parle plus, il s'arrête de siffler. C'est le canari. Voilà, vous pourrez choisir et passer au-dessus de ce que vous n'aimez pas. Voilà, bon, vous me direz si ça marche. Si ça vous plaît qu'on fait comme ça, n'hésitez pas. Hein. Puis, de toute façon, si jamais vous avez des idées ou quoi, n'hésitez pas non plus à me les dire en commentaire. Je suis preneuse de toutes les idées. Donc voilà. Alors, on va commencer par le diamond painting. Alors, je n'ai fait que deux cases. C'est vrai que je vous avais dit d'en choisir trois. Mais je sais plus ce qu'il y a eu cette semaine. Je sais que j'étais encore prise, mais je sais plus quoi. Ouais, c'est vrai que cette semaine j'étais plusieurs fois en cuisine. Bon, on cuisine pas tous les jours, hein, on s'embête pas, mais cette semaine j'ai fait deux grosses cuisines, donc ça m'a pris du temps. J'ai fait, alors, pour vous dire ce que j'ai fait, pour ceux qui ne l'ont pas vu sur mon Facebook, j'ai fait des lasagnes de pommes de terre. Voilà, oui, on fait des lasagnes de pommes de terre, mais vous ne mettez pas la pâte, hein, de lasagne. La recette est exactement pareille que les lasagnes traditionnelles,
Mais au lieu de mettre de la des feuilles de lasagne, vous mettez des pommes de terre en rondelles. Voilà. Donc, oui. Chouchou a adoré. Ah oui, il a. On a mangé quand même deux fois dessus. Parce que je fais des gros plats. Je regarderai si j'ai encore la photo. Je vous la montrerai. Et là, c'était ben, aujourd'hui, donc samedi. J'ai fait une. Alors, oh, mon. Alors, on est à deux à la maison, mais mon plat était énorme, énorme. Donc là, on va manger 2 jours dessus aussi, peut-être 3 même. C'est une rouelle au four avec des pommes de terre en rondelles, des tomates, des oignons, des champignons, de la sauce tomate, voilà. C'est bon, la bonne boubou. Donc voilà, bon, du coup ça m'a pris du temps déjà, ça, mais bon, ça m'a fait du bien. Voilà, je cuisine plus autant qu'avant et du coup j'ai bien aimé. Donc, on revient à notre diamond painting. Voilà, donc du coup, je n'ai fait que 2 cases, mais c'est pas très grave, vous voyez, parce qu'il en reste, il reste 2 fois 3 cases. Donc, du coup, ça va aller tout seul. Enfin, ce sera là ou mélangé, hein, mais je veux dire, il n'y a plus que 2 fois que je vais faire ce DP et il sera terminé. Voilà. Alors, toujours aussi brillant. Voilà. Et très joli, notre fée clochette. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous voyez, ou là, je ne sais pas de quel côté je vais le mettre. Je vous remets la photo de DP pour que vous puissiez choisir 3 cases, puisque là j'en ferai vraiment 3. Donc il reste la case 1, 3, 5, 6, 8 et 10. Voilà. Donc vous me choisissez, ou même si vous voulez en mettre que 2, c'est pas grave, hein. Vous me choisissez 2 ou 3 cases. Là, c'est sûr que moi, j'en ferai 3 de toute façon. Je sais plus, je voulais dire un truc, mais je ne sais plus. Oui, j'ai pas encore reçu le DP que je veux faire après. Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc voilà. Donc là, vous n'avez plus que 6, y a plus que 6 cases et vous m'en choisissez 3 que vous mettez en commentaire. Et je ferai les 3 cases qui ont reçu le plus de votes. Voilà. Donc, mais voilà, j'aime beaucoup ma petite fée clochette. Voilà. Toute mignonne. Allez, je la mets là devant. Hop. Ensuite, je voulais faire un DIY en DP. Alors, je l'ai commencé parce qu'en fin de compte, il est assez long à faire. Et quand je fais des DIY comme ça, moi, comme c'est des strass, s'il y a 10 couleurs, je fais 10 plaquettes. Vous savez, les petites plaquettes vertes, j'en fais 10. Mais je verse tout de suite tous mes strass dedans. Comme ça, je suis tranquille. Mais le problème, c'est que je n'ai pas pensé que ce DIY-là allait être assez long à faire. Et aujourd'hui, en plus, j'avais fait mon drive. Enfin, c'est pas un drive, c'est presque pareil. On vient me le livrer à la maison. Donc, j'ai dû m'occuper avec Chouchou aussi. Ben, quand la dame est venue ramener mes courses, après, il a fallu les ranger et tout. Et après, j'ai quelqu'un qui est venu nous acheter quelque chose. Donc, c'est pareil, j'étais occupée avec cette personne-là. Du coup, je n'ai pas pu faire mon DIY en entier, mais du coup, tous mes strass sont déjà dans les petits plateaux. Je ne pouvais plus les remettre dans les sachets, puisque c'était les sachets chapelets, là, vous savez. Donc, j'ai tout posé sur un plateau, à l'abri de Fifi, pour pas qu'elle aille sauter dans les perles. Puis tout me foutre en l'air. Ouais, mais bon, venant de Fifi, ça m'étonnerait. Elle fait pas de bêtises comme ça, donc ça va.
Alors, je vais ne pas enlever le plastique. J'espère que ça ira. Si vraiment ça gêne, je l'enlève. Mais puisqu'il y a encore des parties qui collent. Voilà ce que j'ai choisi de faire. Alors, l'oiseau, lui, est terminé. Vous l'entendez, j'espère. C'est mon canari. Alors, l'oiseau est terminé. Voilà. Attends, je vais quand même essayer d'enlever le plastique. C'est parce qu'il y a un sens après pour pas que ça colle. Là, je peux remettre après plutôt un. C'est peut-être ce que je vais faire. Un papier sulfurisé. Ah bah, il s'est déchiré. Donc ce sera papier sulfurisé après. Voilà, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, on verra un peu mieux. Donc là, j'ai commencé à faire les feuilles. La cage, toute la cage est faite. Voilà. Donc il me reste à faire toutes les fleurs tout autour. Voilà, c'est toutes les fleurs qu'il me reste à faire. Mais ça, bon, je vais faire encore une fois ou peut-être me mettre deux fois dans la semaine dessus et il sera terminé. Voilà, en tout cas, il est très joli. Voilà, alors attendez, je vais le mettre à l'abri. Là. Alors, je ne sais plus, je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos également. Je ne sais plus dans quelle boutique je l'ai eu. C'est peut-être chez Outdoor Tide. Je ne suis pas sûre. Mais je vous remettrai le lien en barre d'infos. Alors, pour le DP, voilà, je vous ai montré. Maintenant, on va parler broderie, voilà. Alors, en broderie, qu'est-ce que... Ben, écoutez, je vais déjà prendre celui-là, c'est le premier, c'est le plus petit. Il est au-dessus de la pile. Donc, on va commencer par celui-ci, mon hérisson Love, avec tous ses petits cœurs. Bon, il n'est pas fini, hein. Il est tout petit, mais il n'est pas fini. Mais il a avancé. De toute façon, je veux le finir pour le 14 février, donc il n'y a pas de souci, ce sera terminé. Alors, voilà où il en est. Il est déjà mieux que la dernière fois, hein. Voilà. Donc là, on voit son petit nez. J'ai un petit point nœud à faire en haut de son nez. Voilà, je verrai si je fais un point nœud ou si je mets une perle. Et après, bien sûr, là, j'ai presque fini de broder tout le gris. Là, j'ai commencé les cœurs. Et ensuite, alors, il n'y en a pas autant que ça à faire, heureusement. Attendez, je vais vous montrer. Ben, je vais plutôt vous montrer là. Vous voyez, tous les picots noirs. Mais il n'y en a pas autant à broder. Voilà. Mais enfin, il y en a quand même pas mal. Hein. Vous voyez? Voilà, il y a tous ces petits points arrière à faire. Après, il y aura les points arrière pour les cœurs, pour les ficelles. Mais bon, ça va vite, je trouve. Moi, le point arrière, ça ne me dérange pas. J'aime bien en faire. Donc, ça, c'est pas un problème pour moi. Donc, voilà. Normalement, pour la fois prochaine, vous pourrez le voir terminé. On sera combien? Tic 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 tic. Non mais c'est bon. Je l'aurais pas encore donné à Chouchou. Voilà. je suis en train de voir que. Ça y est, je recopierai mes pages après. Oui.
Rien, je parle tout seul hein, en même temps, faut pas s'inquiéter, c'est normal. Donc voilà mon petit nérisson. Alors je vais le mettre. Allez, on attaque les gros morceaux, c'est-à-dire d'abord bien là la broderie météo. Voilà. Alors, bon, il y a un peu de fil partout. Hop, on va les remonter. C'est pas parce que je fais du parking, hein, c'est parce que des fois il reste un bout de fil et ça m'embête de faire un nœud alors que j'ai pas, vous voyez, comme là, j'ai pas terminé, donc je mets le fil en l'air. Voilà, je ne fais pas du tout la méthode parking. Voilà. Donc là, il me reste samedi et dimanche. Donc ça, ce sera fait tout à l'heure. Hein, sera terminé. J'ai fait deux fenêtres en plus ici. Enfin, deux battants jaunes. Voilà. Là, il me reste les menuiseries à mettre à l'intérieur. Et là, il me reste deux fenêtres pour février. Donc, il faut que je me dépêche. Enfin, je me dépêche. Il faut que je refais encore deux fenêtres pour terminer, faire les 4 semaines du mois de février. Je vais y arriver. Voilà. Donc ça avance doucement mais sûrement. Voilà. Vous avez deviné? Ça fait 21 minutes que je suis avec vous. Il dormait, bien sûr. Et c'est déjà la pause pipi des poilus, enfin de un poilu. Un truc d'or, on s'en fiche. Ah, je vous jure, voilà, ça y est, la pause pipi est faite. Ah, je vous jure, mais bon, je vais être obligée de leur ouvrir la porte, hein. En plus, de toute façon, je ne peux pas laisser ma porte ouverte. La voisine au-dessus, c'est encore bonbons, musique à fond. J'en peux plus. Heureusement qu'avec les nouvelles fenêtres, on entend beaucoup moins. Oh, ben alors, j'ai une poussière dans mon œil. Allez, on continue. Ma petite carotte. Enfin, mes carottes. Viens la maman. Viens. Tu vas pas réveiller ton grand copain. Allez. Allez. Excusez-moi, hein, petit problème d'attendance. Allez. Viens maman. Allez. Allez. Hop. Voilà, c'est bien. Ben oui, il voulait aller réveiller Géry. Géry fait des gros dodos. Alors, attendez, j'ai un fil qui se promène. Mes carottes. Alors, comme vous savez, je suis dans mon feuillage. Ça avance. Bon, il y a des tout petits décalages hein, de temps en temps, mais si je vois que ça passe, je laisse. Voilà. Donc, mais le feuillage avance. J'ai quand même hâte de le terminer maintenant. J'ai vraiment hâte de le finir. En plus, là, c'est la plus mauvaise, enfin, mauvaise façon de parler. Mais c'est la partie la plus, comment je vais dire, complexe. Parce que là, il y a beaucoup de changements de couleurs. Enfin, il y a trois ou quatre couleurs, je crois. Je sais plus. Mais voilà, ça change quand même assez souvent. Donc c'est un peu plus complexe que le reste de la broderie. Mais voilà. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. L'autre jour, on m'avait demandé, c'est un aimant de toute façon, tous les aimants que vous voyez sur mes broderies, ce sont les aimants à aiguilles. De Sabine, donc de la boutique Poussière d'Étoiles. Voilà. Voilà.
Oui, non, j'ai hâte de finir celle-là. Qu'elle puisse sortir de mon sac. Bon, quand elle sera finie, elle ne sera pas encadrée tout de suite, hein, mais ce n'est pas très grave. Au moins, elle sera partie. Alors, ce que je ferai, bon, elle n'est pas finie encore, hein, mais après, je vais quand même refaire une lily point. Puisque je veux garder une broderie des points tout le temps. Je vais très certainement cette semaine ou la semaine prochaine, je verrai, vous faire voter pour une broderie des 8 points, dans les broderies que moi j'ai, bien sûr. Je vous ferai voter pour savoir celle que vous voulez que je fasse. Voilà. Je regarderai si j'ai tout ce qu'il me faut pour n'importe laquelle. Et comme ça, je vous ferai voter après. Donc, dans la semaine ou la semaine prochaine, on verra. Suivant l'avancement de mes carottes. Les carottes sont cuites. Alors, bon, je vais prendre au fur et à mesure. Hop. Ah, voilà. Ici, c'est le sale mystère donc de Sabine. J'avance. Alors, bon, là, malheureusement, bon, de toute façon, normalement, je vous aurais certainement mis les photos avant. Puisque là, il y a un morceau que vous ne voyez pas, il est, hop, il est emballé. Mais voilà ce que j'ai fait cette semaine ici. Donc ça c'est la l'étape 4. Voilà, c'est l'étape 4 de la broderie. Là, ils en sont maintenant à l'étape 8. Il reste encore deux étapes après la 8, la 9 et la 10 bien sûr. Donc moi j'en suis à la 4, mais bon, c'est pas grave, hein. Comme j'ai déjà dit, le principal c'est de le faire. Alors cette semaine j'ai quand même fait 405 croix, donc on dirait pas, hein, comme ça, mais vous voyez là tout le beige que j'ai fait, c'est vrai que quand on regarde comme ça on dirait pas. Mais il y a quand même 405 croix là. Donc en tout, j'en ai fait 2487. Là, je n'ai pas le pourcentage par contre. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Sur 2487, j'en ai fait 405. 2487, c'est la partie 4. Hein. Ce n'est pas toute la broderie. Hein. C'est juste cette partie ici. Voilà. Ça va. Bon, j'ai regardé les photos des celles qui sont à jour. Je ne devine toujours pas ce que c'est comme animal. Donc, je suis toujours dans le mystère. Mais voilà, ça avance. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Ensuite, oui. Alors, j'aime de plus en plus la faire. Il n'y a pas longtemps que je l'ai commencé. Hein. Ce sont mes hérons de chez Lanart. Voilà, mais j'ai avancé. Alors là, c'est pareil, je ne peux pas vous dire combien de croix j'ai fait, hein, puisque je brode avec patron papier. Mais voilà, ça avance. J'aime beaucoup les couleurs. Bon, celui-là, il va prendre du temps, hein, de toute façon, à être fait, hein, parce qu'il est quand même assez grand. Mais voilà, petit à petit. Non, mais
mais j'aime beaucoup. Et ça va, je me réhabitue à la toile Aïda quand même. Bon, je ne dis pas que ça y est, je vais reprendre que de l'Aïda. Hein. Non, 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 non. Puis là, c'est de l'Aïda quand même de très bonne qualité. Donc, c'est très bien. Mais je reste quand même fidèle à mon étamine. Mais là, l'Aïda ici est de très très bonne qualité. Donc, elle est très agréable à broder. Voilà. Bon, on ne voit pas encore le héron, hein. Enfin les hérons, mais on voit ses plumes. Voilà. Alors, je vous avais dit la dernière fois que. Alors, attendez. Où j'ai mis ça? Là. Voilà. Les fils étaient mis. Là, il y a des fils, mais c'est parce que c'est des mélanges. Donc, je les ai mis là, comme ça. Les restes de mélange. Sur des cartonnettes, comme ça. Mais alors, ça m'allait pas du tout parce qu'il n'y avait pas de nœud de fée. Et mon fil se chiffonnait beaucoup. J'avais l'impression. Donc. J'ai tout remis. Allez, mets-toi bien. J'ai tout remis sur plaquette comme ça, voilà, voyez. Et c'est beaucoup mieux parce que là, du coup, je peux faire des nœuds. Ça, c'est bien. Donc moi, je les ai stickés, je les ai numérotés moi-même. J'ai mis des petits stickers que j'ai mis les numéros à la main. Hein, mais j'ai mis une bande de scotch tout du long de chaque côté. Comme ça, mes petits stickers ne partiront plus. Et de toute façon, ils resteront, puisque n'importe quelle broderie que je fais, il y a toujours 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, du coup, j'en ai fait deux. Voilà. Puisque j'ai 34 couleurs. Mais ça, je m'y retrouve mieux comme ça. Voilà, que sur les plaquettes en carton. Surtout que là, je vous dis, il n'y avait pas de nœud de fée. Quand je dis un nœud, c'est ça, hein, vous voyez. Voilà, les attachés comme ça. Là, ils étaient juste posés dans le trou. Et j'avais trop peur de perdre les fils. Allez, rentre. Voilà. Donc là, je suis mieux. Mes fils sont plus sécurisés comme ça. Puisque là, il y en a quand même pour un moment pour faire cette broderie. Donc, je ne voudrais pas perdre du fil et perdre des quantités de fil qui me seraient utiles pour ma broderie. Voilà. Ensuite. Oui. Alors, mon sale du nouvel an. Je suis toujours en train de m'embêter avec mes cheveux. Hein, ça, vous avez l'habitude aussi. Mon sale du nouvel an. Alors, je ne pense pas que vous avez vu. Non, vous ne l'avez pas vu, la case 1 terminée. Je crois pas. Je ne me rappelle plus. Ah bah si, non, attendez, je sais plus. Si, vous l'avez vu. Non, non, vous l'avez pas vu. Puisque je l'ai terminé le lendemain de la vidéo, le dimanche. Mais si vous avez mon Facebook ou si vous êtes sur Instagram, vous avez dû le voir. Donc voilà, la case 1 terminée. Alors, j'ai quand même fait les points arrière. Il en manque certains. Les points arrière qui peuvent manquer, ce sont ceux qui sont vraiment au bord de la case et qui doivent continuer sur la case suivante. Donc, ceux-là, je ne les ai pas faits parce que sinon, ça risquerait de faire une coupure et
Donc, j'ai dit cela, je les ferai par la suite. Alors, mon dos n'est toujours pas mieux, vous voyez. Bon, là, les grands fils, c'est des fils que j'ai gardés, hein, puisque là, il y a des cases. Alors, je les ai mis en pseudo-parking. Voilà, donc mon dos n'est toujours pas plus beau, hein, mais je m'en fous. Alors, ici, j'ai commencé la case 2, celle du mois de février, et j'ai eu un coup de chaud. Je vous explique. Alors, je sais pas si je vais... Vous voyez, hop, ma toile s'arrête là. Hop, 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 hop. Voilà, et regardez. C'est geste, hein. Du coup, je sais pas si j'ai mis ma toile dans le mauvais sens ou quoi, j'en sais rien. Mais non, normalement non, puisque je l'ai pliée pour trouver le milieu. Mais là, je crois que ce sont du coup des bordures de 5 cm. Moi, j'ai l'habitude de faire des bordures de 10. Et là, je crois que ce sont des bordures de 5. Donc, c'est un peu juste, hein, quand même. Mais bon, ça va. Donc, voilà la première partie. Alors, celle-là, elle est assez, assez simple, oui. Puisque là, c'est la boiserie de la fenêtre. Donc, il n'y a pas de... Bon, il y a un reste d'oiseau quand même. Hein. Il y a sa queue, là, qui continue ici. Mais sinon, rien de compliqué pour cette partie-là. Ça devrait aller assez bien. Il y a quand même des couleurs mélangées aussi, bien sûr. Et des couleurs simples. Mais ça va. Ça roule. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu. Je ne pensais pas que le rendu serait aussi beau. Et cette petite patoune là. Je pensais pas que le rendu donnerait aussi bien. Mais je suis agréablement surprise. C'est top. Donc là, on a tout le mois de février pour faire notre case 2. Donc ça va. Alors ici, les fils, par contre, je les laisse sur les plaquettes parce que ce sont des plaquettes comme ça. Vous voyez ? Donc là, ça va. C'est nickel. Et donc là, c'est un kit Riolis. Et le fil, là, c'est de la laine et de l'acrylique. Mais alors, c'est très doux, ça va très bien à broder. Je sais que tout le monde n'aime pas. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas broder les fils Riolis. Mais moi, j'aime beaucoup. On ne peut pas, tout ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Il en faut pour tous les goûts. Hein. Ensuite... Alors, j'ai une poussière dans l'œil. Ici. Oui. Mon Bouddha. Alors là, faut que je le remette bien parce que j'ai ma feutrine qui s'est barrée. C'est pas grave. Donc voilà mon Bouddha. Commence à avoir une bonne boubouille. Alors mon Bouddha. Cette semaine, j'ai fait 352 croix. Donc c'est une belle petite avancée. Pareil, hein, ça avance doucement mais sûrement. Bon, comme vous pouvez voir, il y a des endroits où il y a un point par-ci, un point par-là, mais ça va.
Alors, je pense que j'ai un tout petit décalage ici. Là. Mais j'ai dit, je vérifierai la prochaine fois. Je ne voulais pas me prendre la tête. Donc, du coup, quand j'ai vu que j'avais peut-être une erreur de... C'est juste un décalage d'une croix. Et puis, il n'y a pas grand-chose, vous voyez. Je suis repartie de ce côté-là. J'ai dit, ça, je ferai dans la semaine. Je vais bien calculer. Voilà. Sinon, je vais le démonter. Voilà, ici. Ou juste cette partie-là, je verrai. Je sais pas si c'est tout le bleu là qui a un décalage ou si c'est juste en bas. Mais bon, c'est pas très très grave. Mais je crois qu'il va être très joli. Donc ça, c'est une broderie gratuite que vous pouvez télécharger sur la boutique de Sabine, Poussière d'étoiles. Il y a une rubrique où c'est marqué modèle gratuit et vous allez trouver 5 ou 6 modèles. Je ne sais plus combien il y en a exactement. Il y a le Bouddha, il y a deux modèles avec des cerfs, il y a un modèle avec une tasse, il y a un hibou et je crois qu'il y a encore autre chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Voilà. Donc n'hésitez pas à les voir. C'est des broderies gratuites, mais très très belle. N'hésitez pas. Bon. Vous n'avez pas une paire de ciseaux que je coupe mes cheveux? Donc mon Bouddha avance. Bon, vous vous rappelez, la semaine dernière, hein, j'avais dû démonter une grosse partie. Mais là, ça va. C'est bien reparti. Oh non, hein, ça. Mois prochain, je vais essayer d'aller quand même chez le coiffeur. Parce que ça m'énerve. Comme je vous avais dit, hein, les permanentes sont revenues à la mode. Je sais pas, c'est parce que ça coûte cher, mais sinon je me ferais une permanente. Je serais tranquille. Ensuite, alors, oui. Mon Hall Forest, le salle Hall Forest que Julia organise. D'ailleurs, ça me fait penser, il faudrait peut-être que j'aille le mettre sur son groupe. Ça fait un petit moment que je n'ai pas mis la photo. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Voilà où j'en suis pour l'instant. Là, j'ai terminé toute cette partie verte ici. Alors, j'ai toujours pas vérifié hein, celle-là. Pour l'instant, je la laisse. Je vais voir en brodant le reste ici si j'ai besoin de la démonter ou pas. Mais je pense pas. Je crois que je vais laisser comme ça. Donc, la Hall Forest. Alors là, il faut faire 1000 croix par mois. Donc, moi, je me base sur 250 croix par semaine. Voilà, c'est. Et là, j'en ai fait 318. J'ai fait 318 croix, donc soit 5278 déjà. Et je suis arrivée à 41,81%. Je suis bientôt à la moitié. Donc, je l'aime beaucoup aussi. J'aimerais bien accélérer un petit peu. Je peux, hein, si je veux, hein, je peux l'accélérer. Et puis, voilà. Hein. Hop, allez. Rentre là-dedans. J'adore ces pochettes. Rien à voir avec les pochettes de chez Action. Hein. À son Action, je m'en sers, pour ainsi dire, presque plus. Alors, celle-ci. Ah, celle-là. Ma petite grenouille. Ma petite grenouille. Alors, elle a bien avancé.
Bon, j'ai fait 250 croix. Voilà. C'est ce que je veux faire chaque semaine pour n'importe quelle broderie. J'essaye de faire 250 croix. Donc en tout, j'en ai fait 3702 et je suis arrivée à 39,42%. Donc voilà ma grenouille. Aujourd'hui, j'ai fait cette partie-là. Voilà. Il y en a un petit peu ici aussi. Voilà. Donc ça, c'est un modèle également de poussière d'étoile. Voilà, de Sabine. Et j'aime beaucoup la grenouille. De toute façon, j'aime toutes les broderies de Sabine. Elles sont toutes top, top, top. Voilà. Donc, elle avance doucement, mais sûrement. Elle pourra bientôt sauter dans sa mare. Donc, il y a encore du boulot dessus quand même. Parce que là, j'arrive seulement à 40%. Donc, j'ai encore du taf quand même. Voilà. Et ensuite, oui, celle-ci. Alors ça, c'est la nouvelle. C'est le sale... comment? All Forest, mais Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Hop. Je resserre un petit peu ma toile. Elle s'est desserrée un peu dans le... Voilà. Bon, j'ai pas encore fait beaucoup, mais c'est le début. Voilà. Donc, je la fais en trois couleurs. Voilà, donc ce vert foncé, le rouge un peu bordeaux là, et il y aura de l'écru. Donc, je le brode sur une étamine vert olive, voilà, que j'ai eu à la maison du canevas. Pareil, c'est une toile que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, le petit point rouge que vous voyez au milieu, c'est la marque, c'est le milieu hein, de ma toile que j'ai marqué au stylo friction. Voilà. Mais très agréable à faire. Voilà. Très agréable à faire. Alors là, le sale, on commence où on veut. On fait ce qu'on veut. J'ai demandé que l'on essaie... Alors, cette toile-là, par contre, je n'arrive pas à la mettre dans le pattern keeper. Parce que là, bon, je ne peux pas vous montrer, sinon vous allez voir la grille. C'est que la, comment, le patron est fait un peu bizarrement. Sinon, il faudrait que je découpe enfin, l'ordinateur, découper chaque patron, passer en PDF. Pour, c'est beaucoup 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 de boulot pour pas grand chose. Voilà. Bah, malgré que je préfère travailler avec Pattern Keeper que sur papier. Ça c'est sûr. Donc voilà, celle-là, on l'a commencé le premier. Voilà. Donc, on a un an pour la faire. Voilà. Ensuite, oui, ben je vais vous montrer celle-là. Alors, attendez ça. Non, je vous l'ai montré. Oui, je vous montre celle-là. Alors, je vous explique. Là, ça a été ma bête noire. Et c'est ma toile maudite. Déjà au début j'ai pas réussi non plus à la mettre sur Pattern Keeper. Voilà. Et là cet après-midi j'ai comment, oh,
cherche son nom. Isa, je crois. Alors, attendez. Je vous dis que je vais encore la remercier. Si tu veux t'ouvrir, bien sûr. Mais non, je ne veux pas quitter Facebook. Oh là. Si, c'est ça. Oh là là. Alors, elle s'appelle Isa. Bon, j'ai son nom de famille, ça, je ne vais pas le donner, mais elle se reconnaîtra si elle passe par là. Elle m'a aidée donc, ben, cet après-midi pour réduire le patron et que l'on puisse le passer par Pattern Keeper. Donc, ça y est, la grille est dans mon Pattern Keeper, je suis sauvée. C'est mon petit dragon. Voilà. Bon, il a l'air tout mignon comme ça, hein, mais c'est une horreur. À faire sur papier, avec papier, c'est non, sur papier, j'ai de plus en plus de mal. J'ai fait tout le haut du crâne aujourd'hui. Eh bien, je dois tout démonter. Je dois tout démonter parce qu'il y a un décalage d'une croix. Voilà, puis bon, comme je vous ai expliqué, il y avait aussi des erreurs la dernière fois ici en bas que je n'ai pas encore corrigées. Alors, deux solutions. Soit je démonte là où il y a des erreurs, puis je reprends, mais dans ce cas-là, dans mon pattern keeper, il faut que je rentre toutes les croix que j'ai déjà faites, qui n'ont pas d'erreur. Soit je mets cette toile sur le côté et quand je m'en sentirai le courage, j'enlèverai tout. Voilà, je reprendrai cette toile, enfin, je démonterai la toile et puis voilà si j'en ai besoin pour un autre ouvrage. Soit je refais entièrement. Donc mon dragon, dans ce cas-là, je vais prendre un autre bout de toile. J'en ai pas mal d'avance, hein, et c'est pour ça que je vous dis, je démontrerai ça plus tard. Et je pense que c'est la solution que je vais faire. Je vais recommencer mon dragon. Alors j'ai horreur de recommencer quelque chose, mais là je me dis, c'est pas énorme. Je sais pas combien de croix j'ai fait, mais bon, c'est pas énorme. Voilà. Donc, je vais tout recommencer sur une autre toile. Et là, avec Pattern Keeper, oh, alléluia, mon sauveur. Et là, ça ira tout seul. Voilà. Et puis, cette toile-là, je vous dis, quand je m'en sentirai le courage, ben, je démontrerai ce que j'ai fait et je récupérerai la toile pour faire autre chose. Voilà. Donc, mon petit dragon maudit. voilà. Donc, et je vous le remonte. Donc, la semaine prochaine, je verrai si je l'ai déjà recommencé la semaine prochaine. Donc, dans ce cas-là, vous verrez, mais il sera repris à zéro. Voilà. Non, là, il y a eu trop d'erreurs, je m'y retrouve plus, et puis, non, c'est pas la peine. Vraiment, moi, il faut que j'essaye d'avoir toutes mes broderies sur Pattern Keeper, mais c'est pas toujours le cas. On ne peut pas toujours. Voilà. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré encore? Ben, il n'y a plus que celle-là, je crois. Ouais, il n'y a plus que celle-ci. Alors, ça, c'est ma broderie du dimanche, vous savez maintenant. Donc, à l'avance, voilà. Ah, quand même. Avance comme elle veut. mon estampé. Voilà, c'est la seule estampée du moment que j'ai. Enfin non, j'en ai deux autres d'estampées. Enfin non, j'en ai plusieurs qui sont en route, mais je veux dire,
Celle-là, c'est la seule sur laquelle je suis en ce moment. J'ai pas fait grand-chose. J'ai fait ici, voilà, le beige là. Voilà, j'ai fait que ça. Mais bon, ça va. Ça avance. Mais j'aime beaucoup. Et puis elle est super bloc. Donc voilà, le soir devant la télé, il n'y a pas de problème. Alors j'ai essayé de broder avec, je vous l'avais montré, hop, bien là. Je m'en suis servi pour la broderie et pour le tricot. Ma petite lampe de cou. Hop. Voilà. Et pour broder ou pour enfin de toute façon moi je brode principalement à la loupe lumière, mais quand c'est des gros trous j'arrive à je vais faire ça sinon ça j'arrive quand même à broder sans ma loupe des fois donc si je suis bien éclairée et du coup avec ça je regrette pas, c'est top. Même pour le tricot, je peux éteindre complètement la pièce et tricoter qu'avec ça. J'ai aucun problème. Voilà. On m'avait demandé de vous faire un retour. Ben, voilà, c'est fait. ensuite, si, il m'en manque une. Ben, elle est où? Attendez, il me manque une broderie. Ben, elle est où? Ah, elle est là. Bougez pas, je reviens. Voilà, désolée. vous savez que je fais tous les mois une nouvelle broderie que je fais en duo avec une amie, Céline. Toutes les deux, on brode. Alors, c'est une série de 8 broderies. Ce sont des fleurs, c'est pas la série ici, hein. Là c'est la série des fleurs du mois, il y en a 12, là non, c'est cette série là, donc là c'est celle qu'on fait ce mois-ci, voilà, les tulipes, donc on en a 8 à faire, là on en est à notre 4e, voilà. Et voilà où j'en suis pour le moment. Donc là, bah, on l'a commencé le premier. Hein, donc voilà, je suis pas en retard. Je vous mets pareil à côté la broderie de Céline. Et vous verrez qu'il y a une deuxième broderie. C'est parce que je ne sais plus vraiment. Mais je crois que le mois dernier, elle avait pris un petit peu de retard pour la broderie précédente. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Vous voyez, je vous montre par derrière ce qui était fait. Ça va tout seul. Alors là, j'ai sur celle-ci, on a du demi-point, un tout petit peu ici en bas. Donc suivant là, dans où on est, ça va dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Voilà. Mais ça va. Ça va vite, hein, broder. C'est pareil, hein. Ça c'est la broderie que je fais je peux faire le soir devant la télé ça va tout seul hein. Donc voilà, donc après celle-là bah, il nous en restera 4 à faire, donc ça va. Alors niveau broderie que je suis en train de faire, c'est tout, mais parce qu'il y a mais. J'ai rien commencé. Alors, je vais vous montrer. Alors, moi, je craque pour une broderie en ce moment. Je ne l'ai pas encore achetée. Comme ça, je me dis, j'ai le temps. Alors, elle est où?
Ah, vous allez voir que je vais pas la retrouver là. C'est pas vrai, ça? Allez. Ah, voilà, ici. Alors, est-ce qu'on sait le mettre en grand? Oui. Voilà, celle-ci. C'est un modèle de chez All Forest également. Là, c'est un modèle payant, par contre. Elle me fait beaucoup de l'œil. Donc, elle. Voilà, ça c'est mis en français, c'est bien. Ça s'appelle les pans royaux. Alors, je ne sais pas combien il y a de couleurs. Ah, ben non, il n'y en a qu'une. C'est un monochrome. Niveau taille, alors le taille du tissu, il faut 41 sur 50 cm, 5. Hein. Donc, on va dire 41 sur 51. Bon, les virgules, moi, je m'en occupe pas. J'arrondis toujours. Là, il propose de le broder sur une Zegard Belfast 32 CT blanc. Blanc antique. Alors, j'ai regardé sur la maison du canevas. C'est du lin. Le lin, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas brodé dessus. Mais bon, ça doit être comme le vélo, hein, ça s'oublie pas. Là, en ce moment, il y a des promos en plus, donc. Mais voilà. Niveau fil, alors, j'aurais voulu prendre les fils qui sont recommandés sur All Forest, puisqu'ils vendent des fils aussi. Voilà. Alors, oh, je sais pas si. Oui, comme ça, vous voyez un peu mieux la couleur. Mais. Alors, c'est en 32 CT avec deux brins, ouais, le voilà. Ça, les fils, la quantité nécessaire hein, qu'il faudrait, c'est, ça me reviendrait à 33,60 $. Ça m'embête. En plus que là, bon, eux, je sais pas s'il y a des frais de douane chez All Forest. Ça m'embêterait quand même un petit peu. Donc, si jamais je le fais, je vais le faire avec soit du fil que moi j'ai déjà en grande quantité. J'ai du fil ici à la maison, donc c'est un DMC mouliné tout simple. Je reprends pareil un fil DMC mouliné, mais variation. Et le marron le plus foncé. Dans ce cas-là, je ne sais pas combien il me faut exactement de fil, mais bon. Si j'en prends une dizaine, je crois que je suis large, ça me reviendrait dans les 15 euros. Donc, ce serait quand même mieux. Mais, donc, il y a celle-là. Mais, une de mes... Non, 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 fais pas ça. Voilà. Une de mes abonnées... mince, je ne retrouve plus. Attendez, je repars en arrière, juste une seconde. Voilà. Une de mes abonnées sur le groupe avait mis un post en disant oh, j'ai bien envie de faire ça pour Noël. Bon, je lui ai répondu ouais, vas-y, fais-le. Et elle m'a dit tu le fais avec moi? Donc, j'ai pas encore donné ma réponse. Je n'ai pas encore donné ma réponse. Mais c'est vrai qu'il est trop choupinou. C'est un All Forest également. Mais celui-là est gratuit. Voilà. C'est celui-là. Avec les petits nounours. C'est vrai que bon, il me plaît bien. Mais je n'ai pas encore dit oui ou non. Bon, là, ce qui est bien, c'est qu'il est gratuit. Niveau
niveau toile, ben là, j'ai ce qu'il me faut en toile. Hein. Je pense que je prends n'importe laquelle. Là, eux, ils proposent une Zegan Belfast 32CT, véritable costume antique ou ivoire antique. Bon, c'est la traduction qui n'est pas top, top, top. Donc voilà, c'est un modèle, en plus c'est pas très grand, le tissu recommandé c'est 21,5 sur 28,5 en centimètres, donc vous enlevez 5 centimètres de chaque, voilà, c'est pas un gros truc. Je sais pas. On va dire que la nuit porte conseil, le week-end aussi, et puis je verrai. Mais c'est vrai qu'il est trop choupinou. Et puis bon, là, on peut se donner du temps hein, pour le faire. Alors, il a une autre version aussi, mais je préfère la première version. Voilà. Il y a celle-là également. Donc, elle est gratuite aussi, celle-là. Mais voilà. Mais c'est vrai que sur le forest, il y a pas mal de choses qui donnent envie. Voilà. Donc, ça, c'est dans les projets. En sachant que j'ai mon tigre de Lucas Est à commencer aussi. Il a, je pense, que j'attends une broderie, un kit. Je vous jure, c'est pas moi. Je vous jure, c'est pas moi. C'est mon doigt sur le clavier à l'ordinateur. Il fait... C'est pas moi qui a suivi. Non, je vous jure. Je me foutrais des baffes. Bon. Ben, niveau broderie. C'est fini, voilà. Alors celles qui n'aiment pas le tricot après ou les voir les couvertures météo, bah écoutez, passez tout de suite à la fin, voilà, parce qu'à la fin je parle encore un peu. Donc voilà, écoutez, je bois juste une petite goutte de thé pêche parce que je peux plus et je reviens. Alors moi j'en ai pour 1 minute, mais vous, 1/10 de seconde, je suis là. Me revoilà. Ça va mieux. Ah. Alors, niveau crochet. Ça, c'est ma couverture 2023. Alors, si elle veut bien s'ouvrir. Donc, si... je la sors, bah vous comprenez que j'ai un peu avancé. Donc j'ai avancé pendant le montage de ma vidéo la semaine dernière. Et j'ai fait 4 rangs. C'est ça, hein? J'ai dû faire 4 rangs. Oui, c'est ça. Pas 4 rangs. 4 jours, donc 8 rangs. Donc, voilà ce que j'ai fait. Ah, mince, j'ai détricoté. Bon, c'est pas grave. Heureusement, c'est du crochet. Ça, c'est bien crochet. Parce que même si vous tirez sur votre fil, que vous enlevez les mailles, vous ne perdez pas de mailles. Donc, voilà ce que j'ai fait ici. Plus le. Alors, je ne sais plus si la semaine dernière j'avais fait le blanc ou pas. Je ne me rappelle plus. Mais bon. Donc, le blanc, ça marquait la fin du mois d'octobre. Alors, vous voyez que l'année dernière, on est toujours. On est resté un long moment dans les mêmes températures. Voilà. Et je crois que ça va continuer encore. Alors, 1, 2,
3, 4, 5. Alors, je vais encore avoir 5 jours comme ça en bleu. Après, j'aurai un jour où ce sera un autre bleu. Et après, je repars 1, 2. Trois jours en bleu, un jour plus un peu plus chaud, donc ce sera du vert comme ça. Après, je vais repartir dans le bleu comme ça pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 jours. Donc le mois de novembre a été doux. Voilà, il était assez doux. Parce qu'il était en moyenne, hein, ça allait de 10 degrés, 10, 11, 12, voilà. Et on a eu des températures, enfin une fois 15 degrés. Et c'est la dernière semaine où ça commençait à partir en cacahuète. Voilà. Mais regardez, à Noël, on a eu 12 degrés. 12 degrés à Noël, dans le Nord. C'est là qu'on voit, en faisant des ouvrages comme ça, qu'on se dit, il y a un problème, hein? Voilà. Hop, mais elle est bien chaude. Voilà. Alors, je sais que je sais pas si j'ai déjà répondu aux personnes. Je crois, j'ai pu. On m'a demandé justement pour ma couverture de 2023. Quelle taille, les mailles, tout ça. Alors. Donc, moi, c'est au crochet. J'ai fait 200 mailles. J'ai fait une chaînette de 200 mailles. Niveau couleur, attendez. Niveau couleur, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs. En sachant que je n'ai pas utilisé les 10, puisque les deux dernières, ici, ne m'ont pas du tout servi pour l'année 2023, c'est-à-dire de la température 36 à 41 et plus, et plus le blanc. Mais le blanc, moi, c'est pour marquer la transition entre deux mois. Voilà. Donc, j'ai fait une chaînette de 200 mailles. Comme cette année j'ai encore fait une chaînette de 200 mailles du 1er janvier au 1er juillet. J'ai fait une première partie, voilà, celle-là, le 1er juillet, quand j'ai fait mon rang, après j'ai stoppé ma couverture, je l'ai mise de côté. Et j'en ai commencé une deuxième, donc c'est celle que je viens de vous montrer. Pareil, 200 mailles, une chaînette de 200 mailles. Et donc celle-là court du 2 juillet au 31 décembre 2023. Quand cette partie-là sera terminée, je vais coudre les deux couvertures, enfin les deux parties. Par le milieu, je vais les rassembler, voilà, pour faire une couverture très large, enfin plus large. Et ensuite, je vais faire une bordure, bon, assez simple, hein, mais je vais faire une bordure tout autour, parce que je trouve que... alors, est-ce qu'on l'a ici? Voilà, vous voyez, ça... Bon, c'est droit normalement, mais ça se termine, j'aime pas comment ça se termine. Donc je vais faire une bordure. Alors je vais très certainement d'abord faire alors tout le
le tour de la couverture. Hein. Donc là, il va y en avoir pour un moment. D'abord une maille serrée. Et ensuite, je vais faire un petit point fantaisie, encore une fois, tout le tour, voilà, pour terminer la couverture. Donc ça, ça va être la partie la plus longue. Ensuite, on m'a demandé combien j'ai utilisé de pelote. Alors, en moyenne, j'ai pris 6 pelotes, 5-6 pelotes de chaque couleur, sauf pour les deux. Alors, sachant que moi ici, il n'y a pas de grosse chaleur, là, je n'avais pris que 2 pelotes de chaque pour les deux dernières, au cas où. Mais là, j'ai bien fait puisque on n'a pas eu du tout de grosse chaleur. Donc, en moyenne, j'ai utilisé 5-6 pelotes. Le orange de température 31-35, pareil, je crois que j'ai pris que 2 pelotes. Parce que bah, toujours la même chose, ici on n'a pas de grosse chaleur et donc j'ai bien fait. Donc c'est les trois derniers, j'ai pris que deux pelotes de chaque. Par contre, pour les autres, j'avais pris 6 pelotes de chaque. Il m'en reste un peu, hein. Il y a des pelotes qui me restent. Mais bon, ça, c'est pas grave puisque je peux les recycler dans ma deuxième couverture. Et si je n'en ai pas besoin sur ma deuxième couverture, je vais les utiliser pour faire, je sais pas moi, une housse de coussin ou on verra bien. Ou les garder si l'année d'après, je refais une couverture. Et là, bon, on verra. Donc voilà. Bah, écoutez, je pense vous avoir dit les grosses lignes. Donc cette année c'est pareil, hein. J'ai fait 200 mailles. Alors j'ai calculé, comme je ne fais pas le même point, alors j'ai calculé à vue de nez avec la calculette que normalement ma couverture de cette année elle devrait faire entre 3,30 m ou 3,50 m. Voilà. Donc, je ne sais pas encore si je vais la laisser telle qu'elle ou alors si je vais faire comme celle-ci, couper en deux. Et dans ce cas-là, je ferai du 1er janvier au 1er juillet et du 2 juillet au 31 décembre pour la deuxième partie. Voilà. Mais donc celle de 2023, je n'ai fait que du point de la maille serrée, pardon. Et celle de 2024 que je vais vous montrer, je fais une semaine en bride, une semaine en maille serrée, une semaine en bride, une semaine en maille serrée. Voilà. Par contre, je la trouve plus légère. Mais je crois que c'est les brides qui font ça. Elle est beaucoup plus souple, je trouve. Voilà. Que ici. Mais là, c'est que de la maille serrée. Mais elle est très, très chaude, hein, par contre. Voilà. Donc, les couvertures, quand vous voulez faire une couverture météo, vous faites la taille. Il n'y a pas de taille imposée. Il n'y a pas de nombre de mailles imposées. Vous faites comme vous voulez. Je sais que l'année dernière, je crois que c'est une de mes abonnées. Elle a fait des housses de coussin. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire 200 mailles. Vous pouvez en faire 300, 400, 500. Faites ce que vous voulez. Je vais remettre ça. Il n'y a pas de taille imposée. Voilà. Mais là, bon, moi, c'est pareil cette année. Donc là, je les achète un petit peu à la fois quand c'est les promos.
Mais je séparais cette année, je vais faire pour avoir. Alors, la bride, ça mange un peu plus. Hein. La bride, ça mange un peu plus. C'est pour ça, au crochet, il faut compter aussi que ça mange plus de laine qu'au tricot. Mais bon, moi, je vais prendre l'Amigo de chez Hobby. Donc, je suis sûre que je peux en racheter quand je veux. Si possible, quand c'est les promos. je peux en racheter quand je peux, quand je veux. C'est un fil qui est toujours sur la boutique. Donc, voilà. Et puis là, il n'y a pas de problème de bain ou quoi. On s'en fout, hein, là, du bain, du fil. Puisque de toute façon, c'est une couverture déjà d'une. Et puis, c'est des rayures hein, qu'on fait. Donc, voilà. Donc, en moyenne, alors, si vous avez fait très chaud chez vous, prévoyez aussi pour les températures très chaudes, plus de pelotes. Hein, donc, pareil, 5 ou 6, pourquoi pas. Mais en moyenne, ouais, c'est ça, c'est 5-6 pelotes que je prévois. Et après, si j'ai besoin, s'il m'en manque, ben, je recommande. Voilà. Mais c'est la moyenne, 5-6. Et au tricot, si vous voulez la faire au tricot, c'est pareil. Vous faites le nombre de mailles que vous voulez, le point que vous voulez. Voilà. Ce qui va être toujours, c'est on va tous avoir à peu près la même longueur. Donc, en moyenne, la couverture, elle peut faire entre 3 mètres et ça peut aller, suivant le point que l'on fait, ça peut aller jusqu'à 3,50 m, 4 mètres. Voilà. Donc justement, si pour des grosses longueurs comme ça, après, je vous dis, on fait en deux parties. Et comme ça, ça va très bien. Sauf si vous voulez faire une couverture de canapé, que vous avez un long canapé, vous laissez vos 3-4 mètres, hein. Vous êtes tranquille. Hein. Donc voilà, alors, celle de cette année. Alors pour l'instant, elle est dans un plus petit sac. Hein, parce que... Et en forme pépère ce soir. Alors cette année, bon, il n'y a pas encore beaucoup hein, de fées, mais bon, je vais laisser plier en deux, c'est plus facile. Voilà. Donc vous voyez, elle est plus souple. Mais ça, c'est le point bride qui fait ça, parce que là, vous voyez. C'est un point qui fait un point déjaugé. Hein, donc, et là, vous voyez, c'est de la maille serrée. Donc, vous voyez, on le voit, c'est moins, bah, c'est serré. C'est comme son nom l'indique. Hein. Donc, voilà. Alors, 200 mailles, voilà ce que ça fait. Bon, là, c'est... Hop, vous voyez, je ne sais pas montrer entièrement. Là... Si je mesure, bon, à vue de nez, hein, parce que là, je suis pas bien installée pour mesurer. Hop. Ouais, je suis un bon mètre, un mètre de largeur. Voilà. En faisant 200 mailles. Donc, ce qui fait que quand j'aurai cousu mes deux couvertures en largeur, ça fera 2 mètres. Voilà. 2 mètres sur... je sais pas, il faudrait que je remesure, mais... sur entre 1,50 m et 2 mètres. Donc, voilà. On va avoir... suivant les points, les mailles, comment vous tricotez, comment vous crochetez. Si vous faites comme moi en deux parties, ça vous fait 2 mètres sur 1,50 m à 2 mètres. Voilà. Donc ça fait une belle couverture quand même.
Donc voilà, là je suis à jour, hein. Là, celle-ci, cette année, je vais tout faire pour être à jour. Voilà. Promis, j'aurai craché. Bon, je vais un habiller là. Il y a mes pieds. Eh bien, on est 1h25. Hein? 1h25. Et il est presque 23h. Alors, la télé, c'est YouTube qui tourne là en ce moment. Et c'est une américaine que je regarde de temps en temps. Bon, je comprends rien à ce qu'elle dit. Hein, je mets les sous-titres, mais bon. Elle montre à chaque fois au début de la vidéo le tableau de ses broderies. Mais vous voyez le nombre que j'ai moi, bon, c'est pas énorme. Hein. Et quoi, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Bon, j'en ai une dizaine peut-être. 10, 12, ouais, plutôt 12. Mais elle, c'est plus d'une centaine. Je me flingue là. Donc voilà. Niveau crochet, ben c'est bon. J'ai toujours pas fait le lapinou parce que les explications sont compliquées. Alors j'ai ma binôme de coloriage qui l'a aussi. Du coup, elle a regardé le patron, elle m'a dit, ouais, effectivement, la traduction est un peu limite. Donc, elle va regarder de son côté, elle va essayer de mettre ça au propre pour qu'on puisse crocheter notre petit lapinou. Bah, dès qu'elle aura réussi à déchiffrer ce patron, bah, je verrai pour le faire. Sinon, bah, tant pis. Si je peux pas, bah, je revendrai le kit et puis je ferai un jour un autre de moi-même. Voilà. Alors, niveau. Alors, celui-là était déjà sorti parce que je tricotais tout à l'heure. Alors, je vous avais dit, je vais essayer de finir le dos. J'ai pas réussi. Mais j'ai bien avancé quand même. Et j'en ai deux qui veulent aller faire pipi. Vous êtes des casse-bonbons. Voilà, on va le dire. Maman l'a dit. Maman l'a dit, vous êtes des casse-bonbons. Oui. Oui. Oui, atchoum. Oh, attention, tu vas te faire mal. Bon. J'arrive tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Me revoilà. J'étais vite. Hein? Alors, on parlait. Ah, ça y est, j'ai fermé le volet comme ça. Parce qu'ils sont punis, ils ont aboyé. 11h du soir, je veux pas qu'ils ameutent le quartier. Je suis pas méchante, hein, vous inquiétez pas. Je suis gentille avec mes bébêtes. Donc voilà mon pull fil d'art. Une mare de jersey. Voilà, une mare de jersey. Et voilà ce que j'ai fait cette semaine. Donc vous voyez, j'ai bien avancé et je suis à 2 cm pour attaquer les épaules et le col du dos. Voilà. Donc il me restait plus grand chose à faire, mais j'ai pas réussi. Oh, c'est pas grave. Alors chouchou, il me dit qu'il est large. Je fais oui, mais je suis pas mince non plus. Non, mais c'est vrai, bon, il est large, mais une fois qu'il y aura le montage, déjà quand il y a le montage, on va déjà perdre un bon centimètre de chaque côté. Donc ça va déjà se rétrécir un peu.
Voilà, et puis de toute façon, après, avec les formes, voilà, ça va se remplir. Donc voilà, j'arrive à la fin du dos là, ça y est, j'y arrive. Voilà, je vous montre mon jersey. Donc c'est bien, je suis contente, il avance bien. Ah, je disais, il me manque une aiguille. C'est les Knaïk Pro. Je les adore. J'adore. Et je sais pas, on trouve plus. C'est vendu dans une grande pochette en tissu rigide avec une grande fermeture éclair. Mais je sais pas, ça se voit, on n'en trouve plus. C'est dommage parce qu'elles sont vraiment top, top, top. Sinon, il y en a encore, mais les plus courtes, ça, j'aime pas. Oh, il me faut des 40, minimum 40 cm. Ça existe en 40, en 50. Là, ce sont des 40 plus courts, j'aime pas. Ensuite, alors, je n'ai pas fait le débardeur de chouchou. Pas grave, mais j'ai avancé mon camionneur. J'arrive à la fin de la pelote. Voilà, je suis dans quel sens? Non, ça c'est l'endroit. Voilà, alors je suis arrivée à hauteur. Alors, je vous montre où je suis. Voyez, là, j'ai fait ça. Ça y est, je suis arrivée à la hauteur où je vais commencer le plastron. Bon, ça, c'est déjà une partie du plastron. Mais là, maintenant, ça va partir comme ça. Hop. Ici, il va y avoir les augmentations. Après, il y aura la... comment? Je vais tricoter un côté et après je retricoterai l'autre, puisque là il y aura une fermeture éclair, donc il y a la fente à faire et le col pour faire le pull camionneur. Voilà. Donc là, ça y est, je suis arrivée à la hauteur pour attaquer mon plastron. Donc il va y avoir des augmentations un peu. Où elles sont mes augmentations? J'ai pas mon papier. Attendez. Non, je l'ai pas là. Je l'ai pas là. Ah non, c'est sur la tablette. J'ai éteint. Non, non. Alors. Allez. Ah. Alors, tricot, 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 là. J'ai tellement de dossiers dans mon drive que là, j'ai plein de modèles de tricot que je voudrais faire. Ah! Arrête! Voilà. Bon, on n'y arrivera pas, mais... il y en a plein. Oh là là. J'en ai plein. Je pense qu'un jour j'arriverai à tout faire. Hein, mais bon. Mon pull camionneur, il est où? Mince. Mon pull. Ah, il est là. Voilà. Donc le plastron, oui, voilà. Donc là, je suis à 60 rangs. Les emmanchures, je les emmanchures. Ah non, 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 c'est bon. Emmanchures, il y a en tant qu'elles sont faites.
Ah non, oui, non, non, oui, ok. Il n'y a pas de décalage pour les emmanchures à celui-là, il faut juste que je mette un marqueur donc dans 8 rangs. L'ouverture, elle se fait à 76 rangs et les épaules à 104 rangs. Voilà. Et là, je suis à 60 rangs. Hein. Donc, alors, bon, de toute façon, je peux vous montrer n'importe quelle taille, c'est pas grave. Voilà. Alors, on va essayer de bien vous montrer. Non, c'est pas possible. Voilà, dans ce sens-là. Non, allez, mets-toi bien. Ça veut pas. Bon, ça y est, on va rester comme ça. Là, j'ai fait toute cette partie-là. Voilà, maintenant, je suis arrivée ici. Donc, vous voyez, là, les côtes, ça va être en décalé. Et là, les points rouges, c'est toutes les augmentations que je dois faire. Il va y avoir un décalage. Oh, ça m'énerve ce truc. Attendez. Voilà. Hop, comme ça, tu ne tourneras plus. Je vais rien regarder. Ah ouais. Oula. J'ai pas intérêt à me planter. Oui, donc voilà. Là, au milieu, c'est pour faire l'ouverture pour la fermeture éclair. Et donc, les petits points rouges, là, tout le long, c'est des augmentations de chaque côté. Et là, les lignes continuent. Ici, elles vont aller sur le côté et après, elles continuent droit sur l'épaule. Par contre, ici, vous voyez, ça continue comme ça, tout droit, en même temps. Voilà. Donc là, il ne va pas falloir que je me plante. Je crois que je vais l'imprimer, le dessin, pour coucher, pour pas me tromper. Parce que là, en plus, les augmentations, il ne faut pas que je les rate. Voilà. Mais pourquoi là, c'est plus haut? Bah ouais, à tous. Alors, je vous montre. Je vais l'agrandir pour que vous voyez bien. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, tous les schémas, il y a un schéma. Oh, ça m'énerve. Il y a un schéma pour chaque taille. Mais regardez le haut de là, c'est la fente pour la fermeture éclair. Et voyez. Il y a un rang de plus sur ce côté-là que sur ce côté-là. Alors, je sais pas pourquoi. Bizarre. Pourquoi il y a un rang de plus? Et c'est comme ça sur tous les schémas. Donc, je sais pas pourquoi. Et là. Début d'emmanchure, ok. Ça, c'est l'augmentation. Oui. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on a d'un côté un rond en plus que l'autre. J'essaierai de demander si c'est une erreur ou pas, mais bon, on verra bien. Bon, un rond, c'est pas énorme. Hein, ça se voit pas. Mais donc, voilà. Donc là, maintenant, je vais attaquer le plastron. Voilà. J'aime bien, en tout cas. Puis, il est léger. Hein. Donc, voilà. Bon, écoutez, niveau tricot, c'est tout. Alors, une dernière chose que je ne vous ai pas montrée. J'ai perdu une aiguille. Elle est dedans. Oui, elle est dedans. Dernière chose que je ne vous ai pas montré, mais que vous avez certainement vu, je ne l'ai pas encore mis sur Instagram, je crois, mais sur mon groupe. Ma belle-fille,
fais de la broderie aussi, hein, maintenant, depuis un an et demi peut-être. Elle a commencé avec de l'estampé, je lui avais donné l'estampé, et maintenant elle fait du point compté et c'est ce qu'elle préfère. Elle avait peur un peu au début et maintenant elle aime beaucoup ça. Et c'est hier, je crois, j'ai fait l'encadrement de sa dernière broderie qu'elle a fait. Voilà, donc moi, elle a fait la broderie. Voilà, donc la machine à coudre Steampunk. Et moi, je lui ai fait l'encadrement. Voilà. Bon, désolé, vous voyez la télé dedans. Voilà, peut-être là, ça va mieux. Voilà. Donc, c'est un cadre de chez Action qu'elle a pris. Alors, à la base, j'avais dit de préférence de prendre un passe-partout noir, mais il n'y avait plus. Bon, ça va. C'est top quand même. Donc, voilà. Donc l'encadrement, je vous l'ai mis en vidéo. Donc c'est pour ça qu'il y en a peut-être certaines d'entre vous qui l'ont vu. Je l'ai mis en vidéo il n'y a pas longtemps. Alors, quand est-ce que je l'ai mis? Donc si j'y pense, je mettrai dans le petit. Et sinon, vous allez voir dans ma liste de vidéos et vous aurez la vidéo. Oh là là, la tête. En ce moment, il y a une bande en haut du YouTube maintenant sur votre chaîne et vous avez vos anciennes des vidéos qui viennent mais en aléatoire. Voilà. Et là, depuis hier, j'ai pas mal de vidéos. Mais il y a 5 ans, 6 ans, regardez la tête que j'avais. C'était un live. Oh mon Dieu, mais là, je suis encore. Oh! Alors là, je suis moche, moche, moche. Regardez. Oh, oh là là. On dirait un cadavre. On est une mante vivante. Bon. Alors, c'était pas ça qu'on disait. Je l'ai mis il y a un jour. Je l'ai mis hier, la vidéo. Ouais, bah c'est ça. Je l'ai mis hier. Donc, la voilà, ici. Ici. Voilà, celle-là. Mon Dieu, quelle horreur, cette vidéo. Allez, change-toi. Oh. Voilà. Donc, on a fait le tour. On va faire notre petite, pas finition, conclusion. La conclusion, c'est que je crois que j'ai bien bossé cette semaine. Niveau tricot, bon, un peu moins, mais bon. Les journées ne font que 24 heures. La semaine prochaine, on reprend les mêmes et on recommence. Le dragon, je vous ai dit, je verrai si j'ai eu le temps de le remettre en route sur une nouvelle toile. Sinon, ce sera la semaine prochaine. Hein, ça, y a pas de problème. Alors, les deux broderies que je viens de vous montrer, là, que je ne sais pas encore si je vais faire, bon, on verra. Sinon, je vous ai dit, j'aimerais bien commencer mon tigre aussi. J'aimerais bien commencer mon tigre. J'aimerais bien ressortir mon achat ED. J'y pense. Et puis j'oublie. mais bon, on verra. Sinon, ce sera le Bouddha, les hérons, la grenouille, le hérisson, le dragon. Les salles, la maison météo, le salle Nouvel An, le salle mystère, le salle Old Forest de Julia, le salle Alice au pays des merveilles. Voilà, ça ce sera pour la broderie.
Le DP, ben, je ferai les cases que vous aurez choisies. N'oubliez pas de les choisir. Et en tricot, ben, ce sera comme d'habitude, hein, mon pull fil d'art, mon pull camionneur, le pull débardeur de chouchou et mes deux couvertures. Voilà. Et en DP, ben, ce sera le DP. Et j'essaierai de terminer aussi mon DIY DP. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo... aussi coup ça, on est à 1h45, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et comme je vous ai dit la semaine dernière, n'hésitez pas à regarder la vidéo en plusieurs fois si vous trouvez que c'est trop long. J'espère, comme je vous ai dit en début de vidéo, que j'aurais pu mettre les chapitres, hein, comme ça, ça va vous aider à regarder ben, ce que vous aimez, tout simplement. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire. On m'avait demandé les commentaires, ça sert à quoi ? Ben, les commentaires, ça sert à donner votre avis sur la vidéo, à dire un petit bonjour, un bisou. Voilà, et puis ça fait plaisir, tout simplement. Voilà, moi j'aime beaucoup vous lire. Même si je ne réponds pas des fois tout de suite, mais je vous réponds, arrivé au bout, je vous répondrai toujours. Voilà. En attendant, ben moi, je vais, il y en a un qui fait le foufou dans son panier. En attendant, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Là, on est samedi soir, il est 23h15, donc montage de vidéo, ce sera demain, hein, demain matin, en faisant ma couverture météo. Et normalement, vous aurez dû... Chérie, non, tu la laisses, elle fait dodo. C'est la pluie nulle ou quoi ? Voilà. Normalement, j'essaye toujours de vous mettre la vidéo pour que vous l'ayez vers 14h. Mais bon, des fois, l'Internet, malgré que c'est la fibre, des fois, il traîne un peu plus. Donc, des fois, c'est un peu plus long. Mais bon, voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous et des poupous et des commentaires. Allez, à bientôt.